Non mais attendez, vous avez vu le corps au sixième étage? Oui, quand je suis arrivée à l'agence, je montais au sixième étage pour aller à la cafétéria. J'ai croisé ma collègue à la machine à café, je l'ai saluée, je me suis fait mon café et c'est là où j'ai entendu le coup de feu. Stop, stop. Le corps, on l'a trouvé au cinquième étage. Mais... Vous l'avez vu où? Au cinq, au six, au six... Bon allez, ça suffit. On reprend. Vous êtes à la cafette, croisez votre collègue, vous faites votre café. Quelle heure il est? Il était 9h30. 9h30? Oui, 9h30. Votre collègue, là, elle dit vous avoir croisé à 8h45. Vous prenez 45 minutes pour faire un café? 8h45, mais c'est pas possible à 8h45, 9h30, je suis arrivée. Non, à 9h30, j'étais devant mon bureau, au cinquième étage. J'allais ouvrir la porte de mon bureau et c'est à ce moment-là que j'ai entendu le cri. Ah, le cri. Le cri, le coup de feu, bon, mais il faudrait savoir maintenant. Non, mais c'était un bruit sourd, je me souviens plus exactement, mais je pense que c'était un coup de feu. Ça venait du couloir et donc je me suis dit que ça pouvait être quelque chose d'important ou de grave. Donc je me suis avancée dans le couloir pour aller voir ce qui se passait et c'est là que je l'ai vu. Mais c'est qui, il? C'est qui? Le tueur? Oui, il avait des bottes noires, un pantalon noir et une veste de blazer.